uyu mubananga namagura biri niyo nyamaswa. La comparaison entre les églises et les camps est évidemment audacieuse, il faut la considérer. Tout le monde disait, vous voyez que c'était un génocide, donc il n'y avait aucun secret. C'est vrai que lorsqu'on va dans des lieux comme Murambi, la comparaison entre les sites de mise à mort de la Shoah et les sites de mise à mort au Rwanda se pose immédiatement. Il y a des éléments de comparaison évidents qui apparaissent dans l'organisation systématique des massacres, dans le traitement des corps, dans l'assassinat des victimes. Et je pense que je vais revenir en France avec beaucoup d'idées pour alimenter mes propres recherches. L'importance de ces rencontres universitaires, d'offrir aussi, pour moi, et j'en remercie, d'offrir un espace de parole pour partager la tragédie de mon peuple avec les Rwandais. Je pense qu'il est difficile de séparer débat scientifique et débat civique. Les deux choses étaient étroitement liées. Elles sont liées pour nous, mais elles sont particulièrement liées donc entre nous et notre auditoire. Montrer des films qui viennent d'un endroit différent, que ce soit du Cambodge ou de la Shoah au Rwanda, je pense que ça permet une certaine distance et ça permet aux gens de réfléchir différemment, de se confronter à leur situation à travers une autre. L'Afrique, je l'ai en moi et je chante pour sa mémoire, je suis humain. Je crois que c'est très important, c'est heureux pour moi, c'est ce que je voulais. Qu'on parle à la jeunesse, qu'on rappelle que les émotions sont légitimes, mais que la réflexion est aussi obligatoire. Ni métis, ni blanc, ni noir, le Rwanda, je le pleure chaque 7 avril. Je suis autant venu pour apprendre que écouter, que je ne suis certainement pas venu au Rwanda pour donner des leçons et dire c'est ça qu'il faut penser du massacre qui s'est produit ici. En fait, vous savez, je suis franco-rwandais et une partie de moi-même a tué l'autre sans me le demander. En ce qui me concerne, en 1994, le génocide des Tutsis rwandais m'a échappé complètement ou à peu près complètement. Il a fallu donc un travail dans l'après-coup pour me rendre compte de l'importance de cet événement. Et c'est à travers de jeunes chercheurs, chercheuses qui travaillaient sur le Rwanda que je me suis rendu compte de l'importance du sujet, de l'importance de ma cécité un peu de l'époque et que j'essaye depuis de rattraper une partie du retard pris en 94. J'ai trop pleuré quand mon peuple a perdu la raison. Ce sont nos larmes qui ont rempli tous les grands lacs de la région. Même si le sujet est extrêmement violent, on en parle c'est matin, midi, soir, parfois on rêve, on fait des cauchemars là-dessus, mais heureusement, on a une même visée qui est de comment partager, comment transmettre, comment réfléchir sur les différents génocides. Eh bien, ça crée une solidarité extraordinaire, c'est-à-dire on se sent humain, on sent qu'il y a une solidarité entre nous, et c'est ce que je retiens. Nous ne sommes pas du même monde, vous avez grandi en paix, nous revenons, nous retombons, il fut long, très long, le chemin du retour, les paroles ne servent à rien lorsqu'on ne puisse les reprendre. Ce que la vie n'offrait pas, sous des temps du HR, des couloirs de l'orphrade, nos familles, les réfugiés, décimés, déracinés, dans des pays frontaliers, elles furent marginalisées, j'en ai rêvé, du pays de Guyanga.